Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que ce jour, ce nouveau jour dans votre vie soit le plus merveilleux de votre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voyez, j'étais en train de demander à Dieu de me donner une parole qui vienne à la rencontre du besoin, de votre besoin. Bien, je ne sais pas à qui elle servira, mais je sais qu'elle servira à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui participe à ce direct, ou alors qui participera plus tard. Je sais que Dieu, dans sa parole, voyez quelle merveille, la parole de Dieu est glorieuse. Elle est comme le miel dans la bouche. Elle est comme le rayon de miel entre les dents. Quelle chose glorieuse, voyez. Dans le psaume 30, au verset 5, il dit, car sa colère dure un instant. Dieu se met en colère. Ce sentiment que nous avons de se mettre en colère à un instant et après on oublie, on pardonne, etc. Ce sont des sentiments de l'âme. Dieu également ressent à une âme. Dieu aussi a une âme. Il sent les choses que nous sentons. Il sent la douleur. Vous saviez que Dieu souffre? Vous saviez? Dieu est Dieu souverain. Il est au-dessus de tout. Il est le Très-Haut. Le Très-Haut. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. Tout. Mais il a aussi des sentiments. Lorsqu'il a fait l'âme, il l'a fait selon sa propre âme. Lorsqu'il a soufflé le souffle de vie en Adam et Ève, il a soufflé l'âme. L'âme est l'être que nous portons, que chaque personne porte en elle. Même les animaux ont une âme. Même les animaux ont une âme. Donc, voyez que le texte sacré dit que lui aussi se met en colère. Mais sa colère dure un instant. Quelle merveille! Il est père, vraiment. Sa colère dure un instant. Mais sa grâce... Mais sa grâce, ah oui, entre la grâce. Mais sa grâce, même sans que nous ne méritions, mais sa grâce, toute la vie, dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté, grandeur. Et vous ne pouvez observer cela que lorsque vous regardez la nature, la mer, les forêts, les fleurs, lorsque vous voyez un enfant qui sourit, là est la vie, la beauté, la grandeur, l'innocence de la vie. Un enfant qui sourit. Mais sa grâce, toute la vie. Mais voyez, il conclut dans ce petit texte en disant, le prophète, le psalmiste, le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est très fort. Parfois, vous dites, évêque, mes pleurs durent depuis des mois, des années. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire sourire. Depuis que je suis né, je ne fais que pleurer. Ma vie est une vie de pleurs, de larmes, de douleurs. Parce que j'étais un enfant rejeté.
rejeté par ma mère, rejeté par mon père. J'ai grandi entre les mains de tierces et je porte cette douleur de l'âme durant toute ma vie. Et on dirait que je vais mourir ainsi. Non, vous n'allez pas mourir ainsi. Juste parce que vous regardez cette émission, ce direct, vous pouvez être sûr, Dieu est en train de vous parler. Il est en train de dire ici dans le texte sacré exactement cela, que le soir arrivent les pleurs, mais pas forcément la nuit, mais durant toute la vie, mais le matin vient l'allégresse. Et cette allégresse vient sur vous maintenant. Recevez maintenant l'allégresse, la faveur de Dieu. Recevez maintenant cet instant la joie de l'allégresse qui vient le matin. En ce moment, je sais que beaucoup de personnes sont en train de gémir de douleur, affligées, blessées, fatiguées. Mais Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Il se met en colère avec les méchants, les pécheurs, les pervers, les mauvais, les cruels, ces personnes qui prennent plaisir de voir la mort des autres. Dieu se met en colère contre ces personnes. Mais il a compassion de ceux qui souffrent. Vous aussi, lorsque vous avez compassion d'une personne, ce sentiment de compassion est le sentiment de Dieu, lui aussi, à compassion des personnes. Mes amis, beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient un accident, voient les personnes brûlées, encastrées, lorsque la personne est perverse et mauvaise, cruelle, elle dit « Ah, certainement qu'il méritait ça, non, non. » La personne a ce jugement parce qu'elle est mauvaise, elle est cruelle, elle aime de voir la souffrance, elle aime écouter les gémissements de ceux qui souffrent. Mais la personne qui a le sentiment de Dieu regarde cela et pleure. Elle pleure parce que Dieu pleure aussi pour la souffrance. Il souffre de la souffrance de chacun d'entre nous. Donc, mes amis, grâce à Dieu, grâce à Dieu, que le Père éternel prend soin de ceux qui n'ont ni père ni mère, qui sont nés, qui ne sont pas nés, qui ont été lancés dans ce monde, jetés dans ce monde. Mais il vient, il leur tend la main avec sa sainte parole en disant: tes pleurs ont pu durer toute la nuit, toute la vie, mais ce matin, maintenant même, en cet instant, vient l'allégresse. Recevez l'allégresse du Saint-Esprit là où vous êtes, mes amis. Vous pouvez sourire, vous avez envie de sourire, vous pensez que, on dirait que vous avez gagné à la loterie tout seul, n'est-ce pas? C'est cela même. L'allégresse du Saint-Esprit envahit votre être. Parce que de cet instant, dès cet instant, Dieu a répondu à votre prière, à votre clameur. Je ne vais rien dire de plus pour ne pas abîmer vos moments. Que Dieu vous bénisse tous abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenez-vous ferme dans cette foi. La foi de ce que Dieu a dit, la foi de la parole de Dieu. Et plus jamais votre vie ne sera de tristesse et de douleur. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.